Oh, le petit rageux, on y retourne. Et oui, c'est l'heure de votre deuxième ration de ce jeu fantastique qui est Inner Chains. Pour les gens qui auraient raté un petit peu le précédent épisode, je résume, ce jeu c'est un nanar du jeu vidéo. Oui, des gens qui ont voulu faire quelque chose de très stylé, quelque chose en grand, puis en fait qui sont un petit peu vautrés parce qu'au passage ils ont un peu oublié qu'il y a un jeu vidéo, il y a vidéo dedans, mais il y a jeu surtout. Et du coup on se retrouve devant un titre qui, malgré des intentions très sérieuses, voire inquiétantes parfois, eh ben, nous fait bien rigoler. On y revient. Bienvenue dans ma maison. Je vais pas parler tout le strip comme ça pas possible, ça va me niquer la gorge. Moi je suis arrivé ici, alors j'ai eu un bad trip avant. Oui, je sors d'une soirée techno, enfin techno sataniste. Et il s'est passé des trucs, hein, beaucoup de trucs. J'ai découvert que beaucoup de gens se droguaient. J'ai découvert que il y avait un mec dont tout le monde était fan, mais qui m'intéressait pas trop, moi. Ça va, monsieur? Pas l'air super frais, hein. Et donc, voilà, bah, je découvre, en fait. On fait que découvrir dans ce jeu. Je te laisse, hein, t'as pas l'air amical. Et ces gens-là ont les substances mauvaises, apparemment. Ils font des bad trips. Alors, si ça se trouve, c'est mon précédent, moi, quoi. Je comprends rien du tout. Puis ils m'aident pas non plus. Par contre, je me suis engagé un truc depuis le début, c'est faire des pauses régulièrement pour que les gens. Ouais. Ok, c'est un interrupteur, ça s'appelle. C'est marrant. J'aurais peut-être pas exactement le même chez moi. Et donc je me suis engagé à faire des pauses pour que les gens puissent profiter de toutes ces nombreuses visions pour faire, par exemple, bah là je vais en faire une, on va se faire une pochette d'album de métal. Vous allez voir, c'est facile avec ce jeu. Alors, on a bien respecté les tiers, c'est bon. Allez-y, tic-tac. Alors je vous rappelle que vous me devez des sous à chaque fois que vous vous en servez commercialement. C'est moi qui ai eu l'idée. Je vous interdis de vous servir de mon idée. Ça me tape. L'autre problème qu'il y a dans ce jeu, bah, c'est que j'ai aucune jauge de vie et aucun indicateur visuel pour savoir si je suis en mauvais état ou si je suis juste. Oh, c'est rien. Je m'ai foulé à la cheville. Et donc il se trouve que ce jeu, bah, qui a 3 ans au moment où je réalise ce stream, cette émission, il a pas pris de coup de vieux. Il était déjà mauvais à l'époque, on va dire ce qui est. Lui, non, non, toi. Passe de. Ah mais tu me tapes, ok. On peut se taper. Viens, mais viens. Oh que c'est poussif. Ah, fais gaffe derrière toi, il y a une plante. Non, je suis là, connard. Va sous cette plante que je rigole. Oh, il en est mort. Aucun fun, le mec. De toute manière, c'est fermé là-bas. Donc, je suis. Les plantes sont mes amis. Hein. Je sais pas pourquoi, mais les plantes sont mes amis, donc j'en profite. J'en profite hein, qu'il était à terre. Il a l'air un peu belu. Des phases de combat comme ça, vous m'en mettez tant que vous voulez, les gars, je rigole. C'est bon, vas-y, Jean-Pierre. À toi. Non, à moi, à toi. Ah, t'es mort, et c'est chouette. Hop, t'appuies, ça ouvre. Non, non. Non. Mais j'ai découvert une nouvelle lettre. Alors, je vous rappelle que sur les murs, il y a des inscriptions, et je peux découvrir des choses grâce à ces inscriptions. Et pour l'instant, j'ai 3 lettres. J'ai le J, le B, et là, je viens fraîchement d'écrire le N. Putain, je suis fier. Ce qui veut dire qu'à la fin du jeu, je vais avoir tout compris. Ce scénario alambiqué, qui n'a ni queue ni tête, mais qui fait beaucoup marrer, du coup. Même si c'était pas le but au début, hein, j'insiste. Ah, raté. Ah, tu m'as eu. Je pense que c'est des plantes qui redonnent de la life, là, le truc. Non. Que j'avais vu tout à l'heure là. Non. Monsieur.
Oh, pour y faire quelque chose. Ah, attention, il y a des grevas. Mais ça, j'avais vu qu'il y avait des grevas. Et du coup, je suis pas au bon endroit du tout, quoi. Il y a un truc au plafond, là. Je tourne en rond? Non. C'est vous qui avez cette impression. Ah, il y avait un étage, j'avais pas vu. My bad. On va le laisser passer. Et par derrière, je vais lui saccager la gueule. Quoique non, je vais le foutre sous la plante. Ça marche très bien comme technique. Mais je vais même le laisser y aller tout seul. Et je vais juste rester derrière au cas où il fasse demi-tour. T'as envie de faire demi-tour? Vas-y, gros. Allez, je vais t'aider un peu. Bouge pas. Ah, raté. Bon, il va falloir que j'y aille moi-même. Ça, c'est moins drôle. J'avais prévu une petite technique, mais il n'a pas voulu collaborer, cet abruti, quand même. Gentil, la plante. Gentil. Oui, il est gentil, la plante. Oh, c'est une gentille plante. Appuie là-dessus. Non, mais appuie là-dessus. On s'en fout. Tu raconteras un truc après. J'ai vu qu'il y avait une autre plante. Oui, avec ce pouvoir super télékinésico-normalo. Tu peux. Tu peux faire des trucs aux plantes, quoi. Ça, c'est méchant. Si c'est méchant, ça te mangera ton bras, ta main. D'accord, c'est des croque-mimines. Ok, on les appelle comme ça. Ça, c'est pas très sympa non plus. Ça s'appelle des Gertrudes parce qu'on savait pas quoi donner comme nom et ça te chope par-dessus. C'est pendouillé au plafond. Mais tu les repéreras à la tache de bave en bas. Bah, c'est tout ce qu'on a vu depuis le début, les gars. Quand t'as une porte, c'est fermé. Waouh! Oui, mais t'as des interrupteurs. Je vais mettre des interrupteurs comme ça chez moi. Je trouve ça sympathique, un mec avec un bouton dans le front en guise d'interrupteur, c'est pas mal. Ça, c'est pour réparer ta main. C'est pas encore clair ça. Et avec ta main réparée, ben, tu vas être vachement costaud. Et du coup, tous les gens qui t'emmerdent, tous, sans exception. Tu vas pouvoir leur péter la gueule. Ah, il y a peut-être plusieurs armes. Parce que regardez, ça fait un éclair, ça fait du feu, ça fait des petites fléchettes. C'est-à-dire que si je trouve ces différentes choses. Non, mais on va y arriver, hein. J'ai de la volonté des fois. Si on trouve ces différentes choses, eh ben, j'aurai peut-être différentes armes. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé le truc qui ferme. Et quand tu arrives, ça te fait un. J'avais plus d'encre pour dessiner. Ok. Ça, c'est pas très sympa. Ça va te manger. Mais si tu marches dessus une fois que c'est mort, c'est drôle, ça fait un drôle de bruit. Ok. On a tout compris? Allez, je vais boire un coup quand même parce qu'il faut que je prenne des forces là, je crois. Non, ce n'est pas encore l'élixir céleste. Mais je vais pas tarder, je crois. Ok, bon, on va continuer voir là-bas. J'ai appuyé sur ta gueule, toi? Plotch. Ça m'a peut-être ouvert en face, ce serait bien. Allez, fonce. C'était limite, hein? Ça y est, je suis enfin passé. Alors, je rappelle pour les gens qui débarqueraient dans cette émission que le jeu est quand même marrant, parce que niveau design, c'est typé, c'est sympa. Enfin, faut aimer le genre, quoi, faut aimer le guilleur. Aïe! Elle m'a encore mis la langue dans la bouche, on peut plus parler, je voulais vous expliquer. Super partout mon pays, ça. Elle avait un autre goût, celle-là, Berk. Et donc, ce que je voulais vous dire, oui, bah, c'est super dommage parce qu'on a un jeu qui est graphiquement au point, mais qui a pas de gameplay, quoi, qui s'emmerde. Enfin, qui m'emmerde surtout, moi. Et je pense que n'importe quel autre joueur. Ce serait pas mal emmerdé. J'ai envie de sauter là, les gars. Je sais pas pourquoi. On joue au con. Ah, il y a ces trucs lumineux là. Relié. Faudrait que je regarde où ça va. Ok. Là, je ne peux point passer, bien entendu. J'ai vraiment envie de descendre. Je vous le dis tout de suite. Je le fais tout de suite.
Comment ça, c'était pas à faire? Qu'est-ce que vous en savez? Regardez, regardez bien la lumière. Bon, il est entier, je suis un petit peu déçu, il n'a pas très très bien été mâchouillé, je trouve. Un jour, je comprendrai à quoi tu sers. Peut-être le checkpoint va savoir. Ça va être long, pénible, douloureux peut-être. On va y aller tout au gun, hein? Tant qu'il bouge, je le tape. Ah oui, non, mais c'est comme ça maintenant, hein. Je suis énervé. Comment ça, faudrait que je baisse mes retours? Ok, si vous le dites, si vous le dites. Oh là là là, vous êtes susceptible aujourd'hui en plus. Je vais juste baisser votre son parce que j'ai vraiment pas envie de hurler quoi. Et j'ai peur que le jeu braille un petit peu quand même. On y va. Yaha! Le turfu, c'est maintenant, les amis. Je vous le dis. Alors, pour vous résumer l'histoire du jeu, il n'y en a pas. Voilà. Ça vous va? Ok, on y va. Allez, ciao. Hop, 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 hop. On va tracer, là. Il y en a marre. Parce que j'étais coincé, je sais plus où. Et j'aimerais reprendre où j'en étais. Parce que ma sauvegarde m'a pas mis dessus, bien entendu. Oh, le truc, là. Mauricio. Voilà, bouge pas, j'arrive, t'énerve pas. Ah, t'es bien cuit là. What could I do? On a fini, ok, let's go là-bas. Hop, 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 on enchaîne. Alors pour les gens qui auraient fait l'erreur d'attaquer ce stream en regardant pas les numéros précédents, bah si, je vais rien vous dire. Si, je vais pas être méchant, mais... Voilà, celui-là est bien cuit. Vous avez tout raté en fait, les gars. Bah oui. Parce que dans le numéro précédent, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai désactivé quelque chose? Alors ça, j'en suis pas très sûr. Dans le numéro précédent, il s'est passé que pendant deux épisodes, j'ai montré aux gens ce qu'était ce jeu qui est fort joli, si on aime le skill. Et que du coup, ben, tout le monde a très très vite compris que c'était plutôt un nanar du jeu vidéo, parce que du côté jour, on n'avait pas grand chose. On s'attendait à un truc plus ou moins d'action, en fait c'est un truc plus ou moins de réflexion, là faut que je trouve un interrupteur qui est par là-bas, mais que bien entendu je vais pas arriver à activer parce qu'il sera coincé par autre chose. Salut Jean-Pierre. Pas de coups, tiens, regarde, regarde la lumière. Hop, 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 pas trop dans les yeux. Mais tombe à la flotte, bordel. Putain, mais que t'es con, j'ai là. Je suis cerné par ça en plus, c'est ça le pire. Donc là, faudrait que je désactive ça, mais pour désactiver ça, il fallait que je tire de l'autre côté. Et pour tirer de l'autre côté, il faut que ce soit ouvert. Et si c'est pas ouvert, c'est dans quoi? Aïe, 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 pas là, non! Tellement de gens veulent y rendre, j'ai tellement de choses, c'est pas possible. On va jamais s'entendre, les gars. Et regarde-moi l'autre bonnet là-bas. Aïe, aïe, aïe. Et donc, oui, on a un nanar du jeu, du coup, parce que. Pff, il porte un style qui correspond pas du tout à son déroulé. Et là où on s'attend à un petit peu d'action, d'espièglerie, eh ben, comment dire, pot de balle. Merci. Gentil le chien, gentil. Bon, on va te laisser dormir, toi, tu as l'air de... Hein? Puis pour une fois, je croise un mec peinard, qui a pas l'air trop déchiré. Parce que je sais pas ce qu'ils ont fait comme free party, là, mais... c'était vraiment la tawa. Oui, no risk. No risk, les gars. Je vous crame. Je vais faire une petite soirée merguez, là.
Alors, je vous rappelle que ces trucs-là, faut pas trop les toucher parce que sinon ça vous met les. La roue dans la bouche. Et sans vous demander. Oh, encore un nouveau goût. Si vous avez vu les épisodes précédents, vous connaissez déjà tous les goûts que j'ai croisés avec ce machin. Oh! C'est pas possible. Âtre. Âtre. Quelle serait la bonne nouvelle du moment? Activez ça. Bah ouais, je veux bien. Et une nouvelle lettre. W. Alors je vous rappelle aussi que je décode petit à petit l'alphabet local. Puisque tous les panneaux sont dans un langage qui est étrangement étranger. Que ces appareils servent à me recharger tant en énergie qu'en énergie de mon gun. Et que, partant de ce principe, je suis supposé dire « Youpi, la vie est belle ». Mais non, elle est pas belle, bordel, regardez-moi ce bordel! Il n'y a même pas une lampe électrique. Et je n'ai toujours pas résolu mon problème de franchir l'autre endroit. Alors, il y a un endroit que je vais vous faire voir où il y a deux plantes qui m'emmerdent profondément, je vous dis comme je le pense. Mais si j'arrivais à accéder à l'interrupteur, alors je vous rappelle que je me fais toucher trois fois, je suis raide. Mais je ne désespère pas. Et je vais vous faire voir ça tout de suite. Voyez-vous à gauche? Vous voyez bien? Non, mais voyez mieux, quoi. Ça, c'est énervé, ça. Puis quand je tire dessus, bah, il s'en fout, hein, ça le désactive pas. Ça, c'est énervé aussi. Problème. Je vous fais voir, je vous fais voir. Non, mais j'argumente. J'ai oublié celui-là sur lequel je peux pas aller. Quand je grimpe là-haut, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je découvre? Il y a un inter là. Oui, c'est un inter ça, les amis. Et du coup, je suis fort fort Mara. Oui, c'est l'expression du moment. Et quand je suis Mara, des fois je me mets à bouillir, et donc on peut dire que. Non, je le fais. Ok, je la fais pas. Mais là, pareil, inter, machin, truc, désactivé, tu suis le fil. Qu'est-ce qui se passe? What it is? Là, bah, it is que y a un mec qui veut jouer des platines là. Hop, Maurice. Tu veux jouer des platines, il paraît? C'est pas très bon pour ce que t'as. Ce truc là-dessous, je peux pas le désactiver avec le rayon, hein, c'est un vrai inter du push it, mon gars. Ici, qu'est-ce que j'ai de beau? Bah, feu. J'ai encore une machine à me faire imprimer dans la bouche, mais j'ai pas très envie là tout de suite. Il faut que je fasse attention au-dessus. Parce que des fois, il y a des. Oui, le syndrome Half-Life. Là, peau de balle. Là, peau de balle aussi. Mais là-bas, que vois-je? Rien. Mais je vais quand même y aller. Ouais. Je pourrais me laisser tomber comme une merde, mais là, je retomberai en dessous d'une manière triste, voire proche du pathétique. Donc, je vais éviter. Donc vous voyez mes soucis? C'est une journée qui commence mal, non? Bah moi je dis, si, c'est une journée qui commence très mal, quoi. D'habitude ça se passe mieux. On va essayer d'improviser un truc là-dedans, mais je suis pas très sûr. Alors je vais essayer ça, mais je l'ai pas d'ici. Difficilement, on va dire. Ainsi c'est passé. Oh, pas trop recul les gars. Hop, j'ai désactivé un truc. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'ici je dois... Ou bien... Ne me regarde pas comme ça, toi. Donc depuis le début, je traite ce jeu de nanar de jeu vidéo, parce que oui, il n'a pas du tout le look qui correspond à sa réflexion. En fait, c'est un jeu de réflexion jusqu'à preuve du contraire. On va vite aller voir là-bas. Mais le niveau d'action est tellement bas, faible, risible. Rien que l'intro, rappelez-vous, l'intro c'était quasiment une demi-heure, 5 minutes de narration, 25 minutes de vent à laisser le joueur se balader comme une... Je sais toujours pas ce que c'est ça, on va l'appeler checkpoint, hein, avant de lui mettre un bon coup de poing dans la gueule. Tiens.
Salut. Je viens pour... Non, vous dérangez pas les gars. Non, vraiment. En plus, je pense que la dalle, là, elle a pas l'air très... Si? Bon, ok. Il y a deux, l'autre là-bas qui s'est fait avoir comme un cake. Vas-y, danse, 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 danse. Part. Ah. Donc il y a des trucs rampants maintenant qui vont un peu plus vite que la moyenne, c'est pas mal. Est-ce que je vais voir là-haut? Ouais, la curiosité, tout ça, vous connaissez. Regardez-moi le lui. À point. Pour quelle table? Voilà, hop, hop, hop. Regarde-moi ce rampant là. Il se croit où lui? Ouais, c'est ça, bleh, bleh. Alors ça aussi, c'est l'autre problème du jeu, c'est qu'il fait pas peur. Honoris, mets la musique adaptée. Voilà, là c'est bien. Peut-être que j'aurais dû aller de l'autre côté. Peut-être. Oui, mets-moi une musique dramatique, s'il te plaît. C'est où j'ai regretté de pas être venu, donc j'ai dû rater une issue quelque part. Tout simplement. C'en était pas une. Ah, le tapissier m'a bien eu. Monsieur? Ok, suis-moi, je te revois un truc. Mais suis-moi bien, hein. Là. Tu te mets là, voilà. Je voulais savoir, est-ce que tu penses que l'écologie pourrait conserver le côté capitaliste de la société tout en respectant la planète? Apparemment, c'est pas le cas, non. Et sinon, tu préfères mieux trois syndicalistes ou un extrémiste? Au revoir. Allez, on y va. Bon, ok. Et allez en bas, comme ça a l'air super sympa. Vite, courons y voir. Comment ça, le ton de ma voix n'était pas du tout sincère? C'est naïf. Vous croyez que je sais bien jouer? Non, mais non, mais non. Regardez-les, tous ces couillons là, endimanchés. Lui, qui est, genre, on dirait qu'il a bu de la mauvaise bière. T'es cuit, t'es cuit, t'es cuit, t'es cuit. Hop là, ton pote. Ton pote, il va se lever. Ton pote là-bas aussi. Tout le monde se lève. Pour qui? Pour moi? Pour Jeannette? Non, pour Monsieur K. Attends, je recharge. Hop. Bouge pas, toi, tu crois que je t'ai pas vu, mais tu crois que je t'ai pas vu, mais tu piques. Donc, on a un jeu de tir qui est franchement excitant. Et la cloche de l'enfer vient de sonner. Je ne sais pas ce qu'elle a déclenché, mais je ne doute pas que c'est un truc qui va m'aider énormément. Salut. Je t'avais pas fini, là? Non, sérieux? Tiens, une baigne. Ça me fait plaisir. C'est moi qui offre aujourd'hui. Il y a du monde là-bas. Là, il n'y a plus rien à bouffer sur le méchoui. Je vais voir ce qu'il y a là-bas, parce qu'il n'y a pas de monde. Et s'il n'y a pas de monde, forcément, c'est un bonus. Pas forcément en fait les amis. Salut, tu veux un pain? Ok. Soirée méchoui. C'est moi qui régale. Profitez, profitez, profitez. Qui veut du bon lolo? Bon lolo. Te lève pas, te lève pas. Te lève pas. Pas bon. Ah non, raté. Peut-être que je reprenne de la life, hein, parce que je sais plus, il n'y a rien qui indique votre life à l'écran. Tous les cramés, de toute façon, ils sont pas...